Nidavellir est un jeu de coin building dans lequel les joueurs tentent de recruter la meilleure armée. Thingvellir en est la première extension. Elle comprend un nouveau module et ajoute de nouveaux héros. L'extension s'articule autour de la tribu de Thingvellir et de son camp de nomades. Une nouvelle force pour combattre le terrible Fafnir. Oui, mais ce n'est pas si simple. Le camp offre une alternative au recrutement des héros. Sur le terrain, il est représenté par une enseigne et 5 cartes. Le joueur qui a fait la mise la plus haute a maintenant le choix. Il peut se la jouer classique en allant recruter à la taverne ou prendre l'une des cartes du camp. Dans le camp, deux types de cartes cohabitent, des mercenaires et des artefacts. Les mercenaires sont un peu particuliers, puisqu'ils ont deux classes. Lorsqu'ils sont récupérés, ils sont placés dans la zone de commandement. Ce n'est que lors des évaluations que le joueur choisit dans quelle colonne les placer. Chaque joueur commence par annoncer combien de mercenaires il possède. Celui qui en a le plus peut choisir de les placer en premier ou en dernier. Chaque joueur positionne ensuite les siens par ordre décroissant. Il est possible d'avoir une colonne composée uniquement de mercenaires. Comme les mercenaires, les artefacts sont placés dans la zone de commandement. Chaque artefact apporte une capacité spécifique qui offre des bonus en jeu ou de nouvelles manières de gagner des points en fin de partie. Pour conclure, malgré ses règles simples, cette petite extension est très tactique. Elle offre plus de choix et permet la mise en place de nouvelles stratégies.